Je cherchais à faire un film en fait sur la famille d'Hitler et je me suis aperçu en fait qu'il existait une branche anglo-saxonne dans cette famille sur laquelle peu avait été dit, peu avait été fait. J'espère que les Américains ne se moqueront pas trop de ma moustache. J'ai le sentiment que mon cœur est enfin au bon endroit. C'est ça le plus important. Donc j'ai pu remonter leur piste en fait via leur carte de sécurité sociale et via des sites un peu spécialisés qui m'ont permis de, en tout cas de les localiser, de retrouver leur adresse. Alors les trois derniers petits-neveux d'Adolf Hitler, américains, ont grandi de façon... ils ont une enfance complètement banale, ils ont fait leurs études sous donc leur nom Stuart Houston. Et ils ont une vie cachée, évidemment, parce qu'ils détiennent un lourd secret. Et ils ont eu des métiers. Il y en a deux qui continuent à travailler. Ils ont monté une petite entreprise de jardinage. Et l'aîné, Alexander Adolf, lui, est un ancien travailleur social à la retraite, qui vit de façon presque planquée, très reclus dans sa maison de Long Island. Je veux dire, rien, il n'y a aucune ressemblance physique si ce n'est avec leur père, rien qui, aucun détail, rien qui ne pourrait laisser croire qu'ils sont évidemment affiliés à cette famille.